l'ambition pour la FNT, c'est passer véritablement du rêve à la réalité. D'une manière plus prosaïque, de passer du principe à la pratique. Il faut par exemple que la téléconsultation soit une pratique courante dans la relation patient-soignant. Le programme gouvernemental Ma Santé 2022 a posé le cadre du développement de la santé digitale. Maintenant, il faut que ça devienne une réalité. Donc, il faut que ça fasse partie des pratiques courantes dans la vie des soignants et des patients. Alors, je vois trois raisons principales. La première, c'est que Castres réussit à rassembler l'ensemble des acteurs de santé qui comptent dans ce secteur, et c'est suffisamment rare pour le souligner. La deuxième, c'est que c'est un véritable laboratoire d'idées. La troisième, c'est, et ça c'est le recul et l'expérience qui me fait dire, c'est qu'il y a une véritable vision prospective qui se trompe pas, qui est claire et qui est juste. Alors venez nous joindre.